donner à Kabila ce qu'il veut. Il veut trois noms. Moi, je peux citer trois noms. Donc, on commence par Moïse Katumbi, Franck Diongo et Félix Tshisekedi. Ça fait trois noms. Je pense que dans ces trois noms-là, monsieur le président, il sera servi pour ne pas encore rentrer dans son jeu faux, donner à César ce qu'est à César. Moi, j'aurais voulu demander solennellement à Monseigneur Monsengo, puisque c'est quelqu'un quand même qui a le vécu comme patriarche, qui a traversé du temps, qui a combattu vraiment tout ce gouvernement en place depuis Mobutu. S'il peut nous aider, ces messieurs-là, c'est pas un politicien, mais on peut les nommer pour faciliter, gérer ces accords. Il pourra vraiment faire un bon président pour vraiment veiller aux intérêts de tout Congolais. Ça, c'est un. Monsengo, il sera bien placé dans cette terre. J'aurais voulu qu'il soit en dehors des cimetières. Hein? Trouver vraiment un espace spécial qui n'est pas un cimetière, qui admettons un rond-point, là peut-être pour consacrer ou sacraliser une personne. Quand on met quelqu'un à côté du cimetière, donc il est enterré dans le cimetière, que ce soit Gombe ou Métropole, où il est enterré. J'aurais voulu qu'on trouve un endroit qui n'est pas un cimetière, qu'on le met peut-être pour pouvoir montrer réellement que c'était quelqu'un d'important.